On peut aimer quelqu'un comme ça? Bah, Adama. je vais parler avec Aïcha. Si vraiment, s'il est d'accord, bah, pourquoi pas, voilà, on va arranger ça en bas. Moi, c'est toi. Si on Comme ça, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur. En plus, il habite en France. Moi, j'ai pas besoin de gens qui habitent en France. Le problème, c'est le cœur d'abord. Chérie, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Hé, attention! En tout cas, il a bien parlé. Tout ce qu'il m'a dit, même, je peux pas te toi rencontrer parce que ça, c'est sur live. Oui, ça a été bien passé. Tiens, on peut faire ça. Merci. C'est bien. Bien, bon courage. Merci beaucoup. Mais en fait, il y a un homme qui m'a appelé hier nuit. Hein? Il y a un monsieur qui m'a appelé hier nuit. Il a dit franchement, Adama, je ne peux pas te mentir. Je viens de monter dans ton live. Il s'appelle Aïcha. Il a dit il est en Congo, Brazzaville. Vraiment, faut que je vous mette en contact. Il a dit, c'est-à-dire, il t'a kiffé. Il faut même quand il dort là, c'est-à-dire, il pense à toi. Il dit, mais attends. Vraiment, il a bien parlé, il a bien exprimé même. Tu vois? Il a dit vraiment, c'est-à-dire ton comportement même qui ne plaît quoi. Merci. Voilà. Donc il a dit, il a même abonné à toi, mais comme tu n'as pas fait de retour, donc du coup, il est passé par moi. Moi, il y a beaucoup de gens qui abonnent à moi. Pour faire le retour, là, c'est un peu difficile, quoi. Ouais. Mais il a bien. Tellement qu'il a parlé, même à la fin, même moi j'ai commencé à pitié des messieurs là. Là, il a bien parlé. Il a. Hé, Aïcha. Ah. Adama, on peut faire ça. Ah, mais moi-même, j'ai attonné. Voilà. Bah, tu vois, voilà, chacun a son truc, quoi. Peut-être qu'il t'a aimé aussi, donc on s'est jamais, hein. On ne sait jamais vraiment. Voilà, donc c'est toi de voir maintenant si vraiment tu es. Voilà, quand tu réfléchis, voilà, tu me dis si c'est bon. Bah écoute, mesdames, messieurs, donc c'est bon, et puis voilà. Je n'ai vraiment, pour le moment, je n'ai rien même à parler. Hé, Adam, brusquement comme ça. Aïcha, il faut te réfléchir. Quand on te dit quelque chose d'abord, faut te réfléchir après. Toi-même là, tu vas sentir quelque chose. Si ça t'arrange, bah, bien, si ça t'arrange pas aussi, c'est pas forcé. Mais en tout cas, j'essaie vraiment, mais c'est là vraiment, voilà. Et la manière dont il a parlé sur toi, vraiment, c'est-à-dire, il est prêt. Il est prêt. Bon, moi, je dis, écoute, tu sais, Aïcha, il vient dans mon live, on discute et tout. Voilà, Aïcha aussi, c'est quelqu'un du bien. Bah, même quand on t'entend, il parlait vraiment. Voilà quoi. T'es une femme qui est posée, quoi. Donc, voilà. Il a dit, avec qui ça lui plaît, quoi. Ah. Et on ne peut pas aimer tout le monde, Aïcha. On ne peut pas aimer tout le monde. Hein. Celui qui t'a aimé là, celui qui veut dire qu'il t'aime. Sinon, toi, tu ne connais pas le monsieur. Toi, tu ne savais même pas qu'il y a un monsieur qui va m'appeler pour parler sur toi. Vraiment. Tu vois? Donc, la vie, on va dire comment même. Du monde là, c'est petit quoi. Le monde, c'est vraiment petit. Voilà. Donc c'est toi qui vas voir maintenant, pour réfléchir. Voilà. Tu fais ton analyse et voilà quoi. Ah. Ça me dépasse trop.
Ça me dépasse trop. Mais tu sais, le problème c'est quoi, Aïcha? Tu sais, moi là, moi je vais réfléchir. Comment il y a un monsieur qui va sortir, c'est-à-dire par derrière, qui vit de moi? Toi, il ne faut pas la question de toi, mais tu vas avoir des réponses. Il y a beaucoup de filles qui montent dans mon life, hein, mais il y a un monsieur qui m'a appelé comme ça. Hier, il était m'appelé, même c'était une heure comme ça. Il t'a appelé comment? Par l'appel normal? Ouais, ma, comme j'avais deux numéros, mon deuxième numéro là, j'ai créé un groupe de WhatsApp. Peut-être il a pris là-bas pour m'appeler. Ah. Voilà.